Ta vie n'est pas un fruit d'hasard. Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a appelé. Alors, tu dois prier pour que tout ce que Dieu avait dit pour toi puisse s'accomplir. Alors, tu vas d'abord remercier ton Dieu. Merci à cause de ta grâce. Merci parce que tu m'as connu d'avance. Merci parce que tu as tout prédestiné pour moi. Merci parce que tu m'as justifié par ton sang précieux. Merci parce que tu me glorifies. Tu mets en moi l'esprit de gloire. Alors, remercie Dieu pour tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde ce qui est écrit dans le livre de Proverbes 16, verset 4, où la Bible nous dit, tu as tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Je sais que si nous, tes saints, nous te connaissons aujourd'hui, c'est parce que tu nous as connus d'avance. Parce que l'Écriture nous dit, ce que tu as connu d'avance, tu les as aussi prédestinés à être semblables à l'image de ton fils. En fait, que ton fils fut le premier d'entre plusieurs frères. Et ce que tu as prédestiné, tu les as aussi appelés. Ce que tu as appelé, tu les as aussi justifiés. Ce que tu as justifié, tu les as aussi glorifiés. C'est notre Dieu. Et la Bible nous dit au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous savons que sur cette terre des vivants, il y a des combats qui nous arrivent, il y a des réclamations des mondes des ténèbres. L'ennemi veut à tout prix nous anéantir. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Il connaît que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il connaît que le projet que Dieu a formé sur nous, c'est un projet de bonheur et non de paix. C'est pourquoi l'ennemi veut à tout prix détruire tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous disons à notre Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus-Christ, fais ton travail en fait que tes saints que toi tu as appelés, de ce que toi tu as prédestiné, afin que nous puissions nous approprier de tout ce que tu as prévu pour nous. La Bible nous dit que tu as prédestiné pour que nous puissions être semblables à ton image, à l'image de ton fils Jésus-Christ. L'image de Dieu en nous, nous savons que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il va faire pénétrer son esprit au-dedans de nous pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est notre Dieu. Cette image, ce n'est pas l'image terrestre, c'est l'image spirituelle. On doit ressembler à toi, notre Dieu. Et toi, tu es esprit, que nous sommes aussi des esprits, que toi, tu avais prédestiné pour le salut. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit tout ce que tu as appelé, il les a aussi justifiés. Nous savons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui glorifies tous ceux qui t'ont appelé, tu as mis en nous l'esprit de gloire. Nous voulons que l'œuvre que toi tu as fait dans nos vies puisse se concrétiser. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que l'Écriture nous dit, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Parce que le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 6, dit ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens parfaire nos vies au nom de Jésus-Christ en nous rendant semblables à l'image de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es notre justification. À travers ton sang précieux que tu nous as justifié, parce que tu sais que toute notre justice est un vêtement souillé. C'est bon, nous voulons revêtir de la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons dans la Bible nous dit que c'est toi qui fondes ta gloire dedans de nous. En fondant ta gloire dans nos vies, c'est pour imposer silence à l'ennemi. C'est pour confondre nos adversaires.
Nous savons que nous étions nés avec un but sur la terre des vivants. Nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Et le but pour lequel que nous étions nés, c'est pourquoi tu nous as appelés, tu nous as justifiés, tu nous as aussi glorifiés. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Saint. Quand nous lisons encore le livre de Psaume 82, verset 6 à 7, tu dis dans la Bible, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que toi, tu as déclaré pour nous, ça va s'accomplir, Père Tout-Puissant. Parce que tu nous tends, qui nous a appelés, toi qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as dit que nous sommes des dieux, des petits dieux sur la terre. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes tes saints, Père Tout-Puissant. Nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Parce que l'homme n'a pas de puissance. L'homme n'a pas de force. Mais si l'Esprit de Dieu se trouve dans l'homme, c'est là qu'il devient un petit Dieu face à l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre d'Exode, chapitre 7, verset 1. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Si toi, tu as fait Dieu, Moïse, pour Pharaon, et Aaron était prophète, était ton prophète, ce n'est pour que tu puisses m'utiliser aussi, à travers ton œuvre. Toi qui as dit que tu fais de nous de Dieu, que nous sommes de Dieu, nous sommes les fils du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ, fais de moi un Dieu, Père Tout-Puissant, devant toute force démoniaque, devant toute puissance des ténèbres, se présenta devant moi. Il verra devant lui un Dieu, parce que nous sommes des dieux, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Face à mon adversaire, devant mon adversaire, ce n'est qu'il soit impossible à mon adversaire de me saisir, de me maîtriser, parce que tu as fait de moi un Dieu, au nom de Jésus-Christ. Face à mon adversaire qui s'élève comme un Goliath, comme Pharaon, quand tu fais de moi un Dieu, j'aurai la supériorité d'esprit, j'aurai la puissance de Dieu pour neutraliser, paralyser cette force démoniaque au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand toi, tu as dit que tu as fait de nous le Dieu, selon cette écriture de Psaume 82, verset 6 à 7, et que nous voyons dans la Bible que tu as dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Tout ce que Moïse prononçait, tout ce que Moïse disait, Dieu était à travers ses paroles. Il exécutait tout simplement tout ce que Moïse demandait. C'est notre Dieu. Si nous sommes devenus de Dieu, nous avons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous demanderons à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, laisse accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Nous savons que dans la Bible, Ruth qui avait mis au monde Obed, la Bible nous dit, les femmes ont dit ceci, que cet enfant restaurera ton âme, cet enfant sera le soutien de ta vieillesse. Donc on a prophétisé sur Ruth, aussi sur Obed. Or nous savons bien, très bien que celui qui restaure nos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui soutient nos vies au nom de Jésus-Christ. S'il peut faire de moi aussi quelqu'un qui va jouer ce rôle dans la vie de beaucoup de gens au nom de Jésus-Christ. Parce que tel que le Seigneur est, tel que nous sommes aussi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. C'est toi notre Dieu quand nous appelle. Ce n'est pas un hasard, c'est avec un but. Le but pour lequel nous sommes nés, nous étions nés sur la terre des vivants, ce n'est laisse que je puisse accomplir tout ça. Seigneur notre Dieu, conduis-moi dans ta destinée. Conduis-moi là où tu nous as placés. Conduis-moi, Père Tout-Puissant, Père Tiens, mon Dieu, toi qui sonne les reins, de quoi venir dans nos cœurs, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, manifeste-toi. Toi qui es notre Seigneur,
Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Manifeste-toi, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand nous regardons ce que tu as dit à Jérémie, tu as dit ceci, avant que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons tout ça, nous savons que l'appel de Jérémie entre dans Facebook. J'ai oublié de t'envoyer le message. L'appel de Jérémie, de la façon dont il l'a appelé, la Bible nous dit, il était né pour un but. Parce que quand nous regardons ce qu'il dit dans la Bible, il avait dit à Jérémie, selon le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4. Avant que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, toi qui connais toutes choses, parce que tu avais dit à Jérémie, avant qu'il puisse pénétrer dans le ventre de sa mère, toi le Seigneur, tu le connaissais. Afin qu'il puisse sortir, tu l'avais consacré, tu l'avais établi prophète des nations. Et quand nous regardons la mission de Jérémie, il avait établi sur les nations, sur le royaume, pour qu'il puisse arracher, pour qu'il puisse abattre, qu'il puisse ruiner, qu'il puisse détruire, pour qu'il puisse bâtir, qu'il puisse planter. Et toi qui lui as donné la capacité, tu lui as dit que avec cette mission, je t'établis en ce jour comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur de reins, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses serviteurs, contre tous les peuples. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, c'est toi qui avais appelé Jérémie dès le sein de sa mère, qu'il avait établi déjà avant qu'il puisse sortir, avant qu'il puisse naître. Il avait établi prophète, un prophète. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Tu nous as appelés, Père Tout-Puissant. Tes saints sont nés pour un but. Moi, je suis né avec un but. Le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre des vivants, Père Tout-Puissant. Toi qui connais ça, Père Tout-Puissant. Et toi qui m'avais établi, toi qui m'avais appelé ministre de Dieu, toi qui m'avais appelé, toi qui as appelé nos frères et sœurs dans le Seigneur pour te servir, chacun selon sa grâce, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu connais avec cette mission que nous sommes nés dans des familles où il y a des structures démoniaques, où il y a des envoûtements, où il y a des possessions. Nous sommes nés dans des familles où il y a beaucoup de mauvaises choses que l'ennemi a établies là-bas. Seigneur notre Dieu, comme tu avais établi Jérémie, établis-moi aussi sur ma famille pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner toute structure démoniaque bâtie dans la maison de mon père, bâtie dans la maison de ma mère, bâtie partout où ma vie doit se présenter. Je veux détruire les structures démoniaques, les forteresses des ténèbres. Je veux anéantir ça au nom de Jésus-Christ. Même si mes ancêtres étaient des occultistes, ils étaient des satanistes, des sorciers, des féticheurs. Tout ce qu'ils faisaient, comme je suis né dans cette famille-là, ma mission est d'arracher ces œuvres-là, d'abattre toutes ces œuvres-là, de ruiner, de détruire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ma mission aussi, c'est de bâtir, de semer la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens de ma famille, de planter la bonne nouvelle
vous êtes de ma famille. Parce que l'Écriture nous dit, en prêchant les gens, nous plantons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous arrosons aussi, Seigneur notre Dieu. Mais dans cette mission, Père Tout-Puissant, je sais que si tu ne m'iras pas fort, l'ennemi aura le dessus sur moi. Établis-moi, Seigneur Jésus-Christ, comme une ville forte au nom de Jésus-Christ. Établis ma femme comme une ville forte au nom de Jésus-Christ. Établis mes enfants comme une ville forte au nom de Jésus-Christ. Établis tous les saints comme des villes fortes au nom de Jésus-Christ. Établis-nous comme une colonne de fer, comme tu avais dit à Jérémie, chapitre 1, verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur de rein contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre les secrétaires, contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Car tu seras avec, je serai avec toi pour te délivrer. Seigneur notre Dieu, avec la mission que toi tu m'as donnée, tu sais que je manque de capacité, je manque de force, je manque la puissance. Seigneur notre Dieu, établis-moi comme une ville forte, une ville fortifiée, une ville entourée, Père Tout-Puissant, de la flamme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Une ville entourée par mon Dieu Tout-Puissant, entourée par la grâce, environnée par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de moi une colonne de fer. Pas tout savoir que dans la Bible, nous voyons ce que tu avais établi aussi comme des colonnes. La Bible nous parle de Jacques, de Jean et de Pierre. Fais de moi une colonne de fer. Parce qu'une colonne de fer, on ne peut pas battre ça facilement. Quand tu fais de moi une colonne de fer, au nom de Jésus-Christ, fais de ma femme, de mon mari, de mes enfants, fais de tous les saints, des colonnes de fer, pour que l'ennemi qui nous attaque, l'ennemi qui veut nous renverser, qu'il trouve une colonne de fer devant lui, au nom de Jésus-Christ. Mais fais de nous un mur de rein, Père Tout-Puissant. Parce que si nous sommes devenus des murs de reins, les reins peuvent facilement pénétrer là où il y a du feu et les feux ne pourra rien faire sur nos pères tout-puissants. Parce que nous savons que l'ennemi qui est le diable, qui souffle le charbon au feu, qui fabrique des armes, et nous savons que tu as créé les destructeurs pour la briser, tout en forgé contre nous sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes venus des murs de reins, tous là où nous allons pénétrer, là où est l'effet de l'ennemi ne pourra rien faire contre nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons notre Seigneur, nous savons que les reins représentent le jugement. Oh, notre Seigneur, on a vu ses pieds qui étaient semblables à des reins polis. Et quand nous regardons, Père Tout-Puissant, quand tu fais de nous un mur des reins, les puissants d'éternel, les structures démoniaques, toute force de l'ennemi, qui cherchera à me faire écrouler, il se trouvera dans des difficultés au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi venait pour me submerger, même si l'ennemi venait pour m'engloutir, même si l'ennemi envoyait son feu de l'ennemi, et ce feu-là sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que d'après le livre des Esaïe 54, verset 16, toi, qui nous a appelés, et dans cet appel là, Père Tout-Puissant, devant les structures démoniaques, devant l'ennemi qui veut tout détruire, nous avons les boucliers de la foi. Nous avons un mur de reins qui va neutraliser, qui va rendre nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu nous as dit qu'il nous ferons la guerre. Nous sommes dans une guerre permanente, Seigneur Jésus-Christ. Les gens de nos familles, ceux qui sont possédés, envoûtés, beaucoup de gens que nous ne connaissons même pas, ils sont devenus nos ennemis à cause de nos prières, à cause de nos paroles, à cause de la mission que tu nous as donnée sur cette terre des vivants. Ils nous font la guerre. Mais tu nous as dit, ils ne nous vaincront jamais parce que nous aurons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, quand tu avais appelé Jérémie, tu as dit que tu as fait de lui, tu l'as établi comme un prophète des nations. C'est comme un serviteur. Toi, tu as fait de nous aussi un homme de sacrificateur, Père Tout-Puissant. Nous sommes tes serviteurs, Père Tout-Puissant. Nous devons arracher beaucoup de choses sur cette terre des vivants. Nous devons abattre
des hôtels démoniaques, des puissances des hôtels dans la famille de nos pères et de mères, au nom de Jésus-Christ. Nous devons ruiner, nous devons détruire. Nous devons planter aussi la parole de Dieu là où les gens ont besoin de ça, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, face à cette opération, face à cette mission que tu nous as envoyée sur la terre, on a besoin, Père Tout-Puissant, que tu puisses ordonner ta puissance soit avec nous, en Jésus-Christ, que ta force spirituelle puisse avancer dans nos vies, Père Tout-Puissant. Tu vas faire de nous une ville fortifiée. Nous serons, Père Tout-Puissant, parce que la Bible nous dit que l'Église est une ville située sur une montagne. Et nous, tes saints aussi, nous sommes des villes, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous soyons fortifiés par notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons comme des colonnes de fer, au nom de Jésus-Christ. Nous soyons comme des murs de reins, au nom de Jésus-Christ. Parce que si nous sommes semblables à toi, d'après ce que l'Écriture nous dit dans les livres de Romains 8, verset 29, nous savons que être semblable à notre Seigneur, c'est avoir la nature céleste, savoir la puissance, savoir une force spirituelle. Parce que nous regardons, d'après ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29 à 21, la Bible nous dit, tout ce qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand nous voyons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le livre d'Apocalypse, chapitre 1, l'Écriture nous dit, quand Jean avait retourné pour voir la voix qui lui parlait, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe blanche et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrassé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Père Tout-Puissant, ça c'est l'image que Jean dans le livre des Pastors a vu. Et si tu nous dis dans la Bible que tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, ce n'est tu vas prendre aussi cette nature, tu vas mettre ça au-dedans de nous. C'est le plan spirituel. Nous aurons des cheveux blancs qui représentent la sagesse au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous aurons nos yeux comme des flammes de feu. Oh, c'est ça, ce sont des yeux prophétiques. Nous aurons des visions. Nous aurons des révélations au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, l'Écriture nous dit, ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Ça, c'était un jugement. C'est comme s'il était embrassé dans une fournaise ardente. Nous voyons, Père Tout-Puissant, que dans nos vies, des fois, si nous passons dans des fournaises, dans des tribulations, des fois, nous passons dans des faits de l'ennemi. Parce que nous regardons les livres d'Ésaïe 54 qui nous dit, tu as créé l'ouvrier qui souffle les charbons feu, qui fabrique une âme. Tu as créé aussi le destructeur pour la briser. Tout âme forgée contre nous sera nul et sans effet. Même si l'ennemi venait nous surberger, même si l'ennemi venait nous engloutir, même si l'ennemi venait avec son feu de l'ennemi pour nous détruire, comme tu as placé en nous l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans Romains 8, versets 29 à 31, qui nous dit, ce que tu as connu d'avance, tu les as aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu fais de nous ton image, nous allons ressembler, Père Tout-Puissant, à ceux qui ont des cheveux blancs au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture nous dit que ses yeux étaient comme la flamme du feu. Et quand nous regardons le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit qu'il fait de nous aussi la flamme du feu. En faisant de nous la flamme du feu, Père Tout-Puissant, dans les cas de l'ennemi, les puissants des ténèbres auront peur de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que Père Tout-Puissant, parce que nous devons être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand la Bible nous dit que c'était pieds semblables à des reins ardents, c'était comme s'il était embrasé dans une fournaise. Nous savons que la fournaise que notre Dieu a pu passer, c'était le jugement qui s'est prêté sur la croix, où il a subi les tortures, où il a subi
beaucoup d'attaques, beaucoup de menaces, beaucoup de chicotes. Il a été frappé à cause de nos Pères Tout-Puissants. Il a été meurtri à cause de nos Pères Tout-Puissants. Il y avait une couronne d'épines sur sa tête, Père Tout-Puissant. Tous les malheurs possibles, ce n'est notre Dieu. Il a été frappé, humilié. Tout ça, c'était à cause de nous. Il était passé dans une fournaise, Père Tout-Puissant. Nous aussi, Père Tout-Puissant. Si nous devenons aussi comme des lérins polis, parce que nous regardons la gerbe des fées qui répandait la lumière de tout côté, sortant de l'air impoli, du fait de l'air impoli, c'est là que nous allons reçu la nature de notre Dieu, Père Tout-Puissant. Et l'effet de l'ennemi ne pourra rien faire contre nous, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, de ta bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Ce n'est que ta parole, la parole de Dieu, qui une épée à double tranchant. Ce n'est Jésus-Christ. Cette épée sort de nos bouches. Le temps sortait quand nous prions. Quand l'ennemi vient nous harceler, quand l'ennemi vient nous attaquer, quand l'ennemi vient nous réclamer, quand l'ennemi vient nous détruire, c'est notre Dieu. Que ton épaisseur de nos bouches, afin d'anéantir les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Parce que l'épée, c'est ta parole, ce n'est Jésus-Christ. Les jours où l'ennemi est venu te tenter, l'Écriture nous dit, c'était un combat où tu as utilisé l'épée qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est notre Dieu. Que l'épée aiguë à double tranchant, ça dans nos bouches, Père Tout-Puissant. Que nous puissions nous opposer au diable face à la parole de Dieu, Père Tout-Puissant. Parce que nous regardons, Père Tout-Puissant, la parole de Dieu que nous utilisons, la Bible nous dit, il ne te vaincra jamais. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Parce que t'es un ton Dieu sera avec toi pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion. Cherchant à nous dévorer. Je sais ce que notre destinée, nous ne puissions pas atteindre ça. Mais c'est un autre Dieu. Il va faire un travail dans nos vies. Il va agir, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions avoir la résistance. Parce que l'Écriture nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous, au nom de Jésus-Christ. Quand nous entrons dans la résistance, nous utilisons la parole de Dieu, Père Tout-Puissant. Et nous savons que cette parole, qui est une épée à double tranchante, qui partage l'âme, l'esprit, le corps, les sentiments, que cette épée à double tranchante, que cette épée aiguë à double tranchante, pour détruire les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ, puisse anéantir tout ce que l'ennemi est en train de faire. Quand nous regardons dans la Bible, Père Tout-Puissant, nous devons être semblables à ton image. Or, l'Écriture nous dit, quand Jean t'a vu dans l'île de Patmos, ton visage était comme le soleil lorsqu'il brille à midi. Ce n'est Jésus-Christ. Si nous te ressemblons, Père Tout-Puissant, nous allons commencer à briller comme toi, Père Tout-Puissant. Nous allons commencer à briller comme toi, Père Tout-Puissant. Que la lumière de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, aujourd'hui nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les reins. Toi qui connais la fondation de nos cœurs, Père Tout-Puissant. On a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu mourra parce que nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. C'est pour Père Tout-Puissant. Tu m'as manifesté ta puissance au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, l'Écriture nous dit que nous devons être semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 31. Et la Bible dit que si Dieu pour nous qui sera contre nous, toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, toi qui nous as prédestinés, arrête semblable à l'image de Jésus-Christ. Que ton image en nous ne soit pas détruite par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que l'image de Dieu en nous ne soit pas détruit par les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons ton image, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, au verset 16 et 17, ton visage était comme la flamme du feu. Tes yeux étaient comme la flamme du feu et ton visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Seigneur notre Dieu. Et nous, aujourd'hui, quand nous contemplons cette image de notre Seigneur, nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image au nom de Jésus-Christ. Nous recevons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui ne m'as point, Père Tout-Puissant, qui est derrière ta parole, Père Tout-Puissant. Si l'ennemi se joue de nous, si l'ennemi détruit notre destinée, si l'ennemi ne veut pas que nous puissions atteindre les buts pour lesquels que tu nous as, les buts pour lesquels nous étions nés sur la terre des vivants, c'est parce que, Père Tout-Puissant, il ne trouve pas la flamme de feu au-dedans de nous. Alors qu'Hébreux 1 se dit, il fait de tes serviteurs la flamme du feu. Fais de nous la flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as placés. Tu nous as dit que nous devons être semblables à l'image de Jésus-Christ. Oh, notre Seigneur, son visage était comme la flamme du feu. Et quand nous contemplons cette gloire dans un miroir, le miroir qui est la parole de Dieu, nous devons être transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Fais ce travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Le travail que tu as commencé en nous, tu vas faire ça dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, Père Tout-Puissant. Qu'ils soient semblables à ton image, parce que l'Écriture nous dit, ce que tu as connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. En fait, que Jésus-Christ fut le premier d'entre plusieurs frères. S'il est appelé notre frère, nous sommes tenus à prendre son image, car ce que tu as prédestiné, il les a aussi appelés. Toi qui nous as appelés, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions connaître, te connaître. On ne veut pas te connaître, Seigneur Jésus-Christ, si tu ne nous as pas appelés. Et la Bible nous dit que personne ne peut venir au Fils s'il n'a pas été appelé par le Père. C'est notre Dieu. Partant de ton appel, tu nous as justifiés, Père Tout-Puissant, par ton sang précieux. Parce que nous savons que toute notre justice est un vêtement souillé. C'est pour Père Tout-Puissant. Nous voulons que nous soyons justifiés par toi, notre Dieu, à travers ton sang précieux. Seigneur, tu vas fonder aussi ta gloire. Parce que après avoir justifié, tu dois ensuite nous glorifier, Père Tout-Puissant. En nous glorifiant, tu vas fonder ta gloire au-dedans de nous. Selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 3. Par la boue des enfants qui sont en mêle, tu as fondé ta gloire pour imposer cela à l'ennemi, pour confondre nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es Dieu, fais de nous aussi de Dieu, Père Tout-Puissant. Parce que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, fais de nous aussi de Dieu, Père Tout-Puissant. Selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes 81, verset 6, qui dit, je dis que vous êtes de Dieu, vous êtes le Fils du Très-Haut. Nous acceptons, nous disons Amen dans cette parole, que nous sommes les fils du Très-Haut, nous sommes de Dieu. Cependant, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Comme Seigneur Jésus-Christ, quand tu avais appelé Moïse, tu lui as dit, toi Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Selon ce qui est écrit dans Exode 7, verset 1. Seigneur, fais de moi aussi Dieu, parce que l'Écriture dit que tu as fait de nous des dieux. Et quand tu fais de moi Dieu, Seigneur notre Dieu, devant tout adversaire de mon âme, devant tout adversaire de mon esprit, de mon corps, devant tout adversaire de ma famille, Seigneur notre Dieu, l'ennemi ne pourra pas résister devant nous, parce que celui que tu fais Dieu, en lui il y a des miracles, en lui il y a des prodiges, en lui il y a la puissance, en lui il y a la force, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Fais ce travail dans nos vies, car on a besoin de ta Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, accomplis les buts pour lesquels on t'est né sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi je t'ai né dans cette famille, ou la famille de mon père et de ma mère. Tu connais pourquoi je me suis marié dans la famille où j'ai pris ma femme, Père Tout-Puissant. Tu connais les buts, Père Tout-Puissant. S'il y a des structures démoniaques dans ma famille, dans la famille de mon père et de ma mère, la famille de Jésus m'a marié. C'est toi, celui qui peut arracher cette structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui peux abattre cette structure démoniaque. C'est toi qui peux ruiner cette structure démoniaque
Et c'est là où nous allons abattre, nous allons planter, nous allons prêcher au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que nous regardons ce que tu avais dit à Jérémie, et sa mission était pour semer la parole de Dieu. Et nous regardons l'apôtre Paul qui va dire, Dieu semait, Apollos a arrosé. C'est notre Dieu, que tout mon entourage soit semé de la parole de Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, établis-moi, Père Tout-Puissant, partant de la mission que toi tu m'as donnée, où l'ennemi veut m'étrangler, où l'ennemi veut me détruire, où l'ennemi veut me anéantir, où l'ennemi veut effacer mon nom sur la terre des vivants. Seigneur notre Dieu, parce qu'il connaît que tu nous as donné ta parole, tu fais de nous ton image. Nous sommes devenus à l'image de Jésus-Christ et la gloire de Dieu au-dedans de nous pour confondre les plans démoniaques. C'est pourquoi l'ennemi nous attaque. Mais fais de nous des villes fortifiées par la protection de Dieu Tout-Puissant. Fais de nous une colonne de fer afin que nous puissions nous abattre facilement au nom de Jésus-Christ. Établis-nous comme des murailles de reins afin que face à n'importe quel fait de l'ennemi, que ce fait de l'ennemi ne puisse pas nous consumer au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que toutes les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les célestes, l'Écriture nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours avec nous. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il va dire, regarde ce que, parce que nous sommes en train de déclarer que Dieu puisse accomplir les buts pour lesquels tu es né sur la vie, sur la terre des vivants. Quand on avait annoncé une fille éternelle, un garçon, c'est avec un but. Quand vous regardez dans la Bible, tous les gens que Dieu a utilisés, même les méchants, l'Écriture dit dans Proverbe 7, verset 4, ils sont nés éternels pour un but. Donc toi aussi, tu es né pour un but. Mais tu dois accomplir ces buts pour lesquels le Seigneur t'a envoyé sur la terre des vivants. Regarde maintenant ce qui se passe. Dieu a appelé les enfants d'Israël. Il y a Balak qui s'est présenté à Balaam. Il va lui dire, maudis-moi ce peuple. C'est comme beaucoup de gens aussi qui vont dans le monde des ténèbres, qui déclarent contre ta vie que toi tu sois maudit, que ta famille soit maudite, que tes enfants soient maudits. Il y a des ceux-là qui promettent des malédictions dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, contre ta famille, contre ta femme, ton mari, tes enfants. Mais regarde la réponse que Balaam avait donnée à Balak dans le livre de Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Il va ajouter au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Et la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, même s'ils font recours à des féticheurs, à des occultes, à des satanistes, qui nous maudissent, nous te jouir, nuit et jour, nous savons que la croix t'a devenu malédiction pour que nous devenions des bénédictions. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, les buts pour lesquels je t'ai né sur la terre des vivants, toi tu connais ça, notre Dieu. Les buts où on avait annoncé un garçon éternel, une fille éternelle, ce jour-là, Père Tout-Puissant, comme tu avais dit à Jérémie, avant que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Seigneur, quand nous venons de l'éternité, Père Tout-Puissant, nous sommes venus sur la terre, nous étions nés sur la terre, avec un but, Père Tout-Puissant, avec une mission déterminée, Père Tout-Puissant. Laisse accomplir, Père Tout-Puissant, cette mission dans ma vie, Père Tout-Puissant. Le but pour lequel je t'ai né, que ça s'accomplisse, mon Jésus-Christ. Regarde, Père Tout-Puissant, quand tu as appelé Israël, qui était un peuple béni de toi, Père Tout-Puissant, mais il y a eu aussi Bala qui s'est présenté. C'est comme aujourd'hui, Père Tout-Puissant, nous sommes aussi la route pour aller au ciel, pour qu'un jour nous puissions être enlevés. Mais l'ennemi se présente. Il était de nous maudire. Il a suscité des gens. Il y a des ceux-là que nous ne connaissons pas. Il y a des ceux-là, des membres de nos familles,
Il y a de ceux-là qui sont des occultistes, des satanistes. Il y a de ceux-là qui sont des féticheurs. Il y a de ceux-là qui sont des sorciers qui prononcent nuit et jour des malédictions contre nos vies. Ce ne regarde la réponse que Balaam avait fait, avait dit ce jour-là à Balak. Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Ce n'est le cœur. Comment ils vont maudire nous autres que l'Éternel ne nous a pas maudit? Parce que nous savons que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons participé à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons crucifié notre corps avec lui. Nous avons été ensevelis par le baptême. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nos vies sont cachées dans les richesses en Jésus-Christ. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, l'enchantement qu'il a sorcellerie ne perd rien contre nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Balaam prononce ses paroles, il savait que Balak savait que Balaam devait utiliser l'enchantement. Il veut utiliser la sorcellerie contre Jacob. C'est pourquoi au verset 8, il a dit, comment maudirait celui que l'Éternel n'a pas maudit? Au verset 23, de Nombre 23, il va dire ceci, l'enchantement ne perd rien contre Israël, ne perd rien contre Jacob, ne perd rien contre... Tu vas placer ton nom, tu vas citer ton nom, au nom de Jésus-Christ. C'est pour perdre tout ça. Toute personne qui me maudisse, qui maudisse ma femme, qui maudisse mes enfants, qui prenait des mauvaises paroles, il y a des ceux-là qui souhaitent que la mort puisse nous atteindre facilement. Il y a des ceux-là qui souhaitent que nous puissions être toujours malades, Père Tout-Puissant. Il y a de ceux-là qui souhaitent que nous soyons pauvres. Il y a de ceux-là qui souhaitent toujours qu'ils nous maudissent dans la sorcellerie, dans la magie. Ils nous maudissent dans le monde des ténèbres. Ils nous maudissent, Père Tout-Puissant. Mais l'Écriture dit, comment ils peuvent maudire celui que l'Éternel n'a pas maudit? Si l'Éternel ne nous a pas maudit, eux aussi à l'air, ils n'ont pas le droit de nous maudire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et s'ils maudissent, le Seigneur va nous bénir d'après ce que David avait dit. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand il te présente dans nos vies, quand il agit, Père Tout-Puissant, nous savons, Père Tout-Puissant, qu'on a besoin de toi face à ces malédictions prononcées sur le trône de la sorcellerie, face à ces malédictions prononcées sur les autels des ténèbres, face à ces malédictions prononcées n'importe où, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est la croix. Toi, tu étais devenu malédiction pour que nous venions devenir des bénédictions. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Père Tout-Puissant, quand ils nous maudissent, David avait dit dans Psaume 109, verset 28, s'ils maudissent, toi, tu nous béniras. S'ils se lèvent contre nous, ils seront confiés. Et nous, allons nous réjouir à l'Éternel, notre Dieu. Père Tout-Puissant, regarde, Père Tout-Puissant, ceux qui font des recours. Ils savent qu'ils ne sont pas plus forts que nous. Ils sont allés faire des recours chez des satanistes, chez des féticheurs, chez les diables. Et ils nous maudissent. Ils prennent de mauvaises paroles contre nos femmes, contre nos maris, contre nos enfants, contre les saints de Dieu. Seigneur notre Dieu, à Golgotha, ce jour-là, qui était devenu une malédiction, pour que nos malédictions puissent tomber au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, toi, tu connais chaque nuit. Il se présente maudissant. Il se présente maudissant nos vies. Et un autre Dieu, Père Tout-Puissant. Et l'Écriture nous dit, s'il maudisse, toi, tu vas nous bénir. Tu vas changer cette malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand je regarde ces jours-là, tu avais dit à Abraham et à Isaac, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Ça, c'est Genèse 12, verset 3. Seigneur, quand tu as prononcé ces paroles, nous savons qu'aujourd'hui, pendant le temps de la grâce, quand tu es venu sur la terre, tu nous as dit dans Matthieu 5, verset 44, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Seigneur, je bénis au nom de Jésus-Christ ceux qui me maudissent. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ceux qui cherchent mon malheur. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui souhaitent que mon malheur puisse arriver dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui me font du tort, qui me visitent nuit et jour sur les plantes spirituelles.
cherchant ma mort subite. Je prends la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur, qu'ils soient bénis. Parce que tu as dit dans la Bible, vous devez bénir ceux qui vous maudissent. Vous devez bénir ceux qui vous haïssent. Vous devez bénir ceux qui vous maltraitent. Vous devez bénir ceux qui vous persécutent. Vous devez bénir ceux qui vous harcèlent. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 9, pour hériter la bénédiction, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous ne devons pas rendre injure pour injure. Mais nous devons faire du bien à ceux qui nous font du tort. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 9, qui dit, pour hériter la bénédiction, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous ne devons pas rendre injure pour injure. Nous devons faire du bien à ceux qui nous font du tort. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ceux sur le plan spirituel qui veulent que moi je sois malade. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui veulent que ma femme soit malade. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui veulent que mes enfants soient malades. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui veulent que mes petits-filles et petits-filles soient malades. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui combattent les saints, que la famille des saints, que les enfants de Dieu soient malades. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que nous voulons accomplir cette écriture qui dit, pour hériter de la bénédiction, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous devons bénir. Nous ne devons pas rendre injure pour injure. Nous devons faire du bien à tous ceux qui nous maudissent, qu'ils veulent que nous soyons malades. C'est notre Dieu. Nous devons bénir, nous bénissons tous ces gens qui souhaitent qu'un malheur puisse nous arriver. Qu'ils soient bénis parce qu'il a dit ça. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Béni, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons les plans de Dieu dans la vie de ceux que tu as appelés, parce que l'Écriture nous dit dans Ézéchiel chapitre, dans le livre d'Ézéchiel, tu as dit dans le chapitre 2, au verset 1er, tu as dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Et quand Ézéchiel s'est mis sur ses pieds, l'Esprit entrant en lui, le fit tenir sur les pieds. Seigneur notre Dieu, je sais que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me tenir sur les pieds. Sans le Saint-Esprit, je serai toujours endormi. Sans le Saint-Esprit, je serai toujours quelqu'un qui est couché sur le plan spirituel. Ce n'est notre Dieu. Sans le Saint-Esprit, Père Tout-Puissant, je ne peux pas me tenir debout. Parce qu'il avait dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Aussitôt qu'il s'est mis sur ses pieds, l'Esprit entrant en lui, le fit tenir sur les pieds. Ce n'est fait que je puisse tenir sur les pieds au nom de Jésus-Christ. Fait que je puisse être debout sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Fait que ma femme soit debout sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Fait que mes enfants soient debout sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Fait que tes sœurs soient debout au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand tu as dit à Jérémie qu'il devait faire ça, tu lui as dit, ne crains point les discours de tes ennemis. Parce qu'auprès de toi, Jérémie, et auprès de toi, Ézéchiel, il n'y a que des ronces, il n'y a que des épines, et tu habites avec des scorpions. Seigneur notre Dieu, effectivement, nous aussi dans nos vies, nous ne devons pas craindre parce qu'il nous a dit ne craignez pas. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les discours de ceux qui nous maudissent, de ceux qui souhaitent un malheur sur le plan spirituel, dans le monde de terre, dans les réunions de la sorcellerie, nous savons, Père Tout-Puissant, que auprès de nous, il y a des ronces. Auprès de nous, il y a des épines. Nous habitons avec des scorpions. Mais tu as dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance des ennemis ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce. Nous savons que nous sommes malades. Nos corps souffrent, Père Tout-Puissant. Il y a diverses blessures. Il y a des contusions.
Il y a des plaies. Viens penser tout ça au nom de Jésus-Christ. Viens bander tout ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Car toi, tu es la bombe des Galates, Père Tout-Puissant. Quand nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 22, la question était posée. N'y a-t-il point de pommes en Galate? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Vous savez que tout ça, Dieu parlait pour les enfants d'Israël. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes pendant la grâce. Nous sommes Père Tout-Puissant. Pendant ce que tu as dit dans la Bible, toi qui étais le médecin par excellence, toi qui étais la bombe de Galate, Père Tout-Puissant, parce que ces jours-là, Père Tout-Puissant, c'est par tes meurtrissures que tu as ici la croix à Golgotha. Et nous avons la guérison de nos âmes, la guérison de nos esprits, la guérison de nos corps, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans la Bible, Job avait dit dans Job 29, verset 2, toi qui sais venir en aide à la faiblesse, toi qui es prêt pour secourir les bras qui sont sans force, Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette écriture de Job, c'est toi qui viens en aide à la faiblesse. Je suis faible, Père Tout-Puissant, dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Je suis faible devant les puissants des ténèbres. Je suis faible des gens de ce monde. Je suis faible devant les esprits familiers de la famille de mon père et de ma mère. Je suis faible devant les structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, ma force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Toi qui sais venir en aide à la faiblesse, viens me rendre fort au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, l'apôtre Paul avait dit, quand je suis faible, c'est alors que ta force se manifeste. C'est notre Dieu. Regarde, Père Tout-Puissant, là où se trouve notre faiblesse, je n'ai pas de force. Je suis faible, Père Tout-Puissant. Je veux, Père Tout-Puissant, que je sois fort au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand je viens au devant de toi, Père Tout-Puissant, parce que quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que toi tu as dit chez l'apôtre Paul, c'est pourquoi dans le livre des 2 Corinthiens 12, verset 10, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur notre Dieu. C'est l'apôtre Paul qui avait dit ça, Père Tout-Puissant. C'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Seigneur notre Dieu, parce que quand je suis faible dans des calamités, je suis faible dans des outrages, je suis faible dans des persécutions, je suis faible devant les détresses qui m'arrivent, devant les angoisses, Père Tout-Puissant, je suis faible. Mais l'Écriture nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es tout-puissant, quand nous regardons l'Écriture, on dit, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Or, la faiblesse de notre Christ, c'était la chair, le corps qu'il avait porté. Tout en étant dans ce corps, la Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi qui nous attaque, il attaque nos chairs, il attaque nos corps. Il sait que le corps que nous avons, c'est un corps de la faiblesse. C'est pour qu'il nous attaque dans la faiblesse, Seigneur Jésus-Christ. Il envoie des traits enflammés du malin. Il vous envoie des forces du mal, des puissances de ténèbres qui viennent avec des oppressions, avec des harcèlements, avec des dépérissements. Des fois, ces esprits viennent monter sur nos dos. Des fois, ces esprits viennent pénétrer dans nos corps. C'est notre Dieu. Quand nous sommes faibles, c'est alors notre force se manifeste. Viens, Père, tout ça nous rende fort. Parce que l'Écriture nous dit, c'est toi qui sais venir en aide à la faiblesse. Et toi qui prêtes secours au bras sans force. C'est notre Job 29, verset 2. C'est notre Dieu. Manifeste ta puissance quand je suis faible, je suis sans force. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous comptons sur toi, Père Tout-Puissant, comme sur la pluie du printemps.
Parce que la pluie du printemps, c'est la faveur du roi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous comptons sur toi comme la pluie du printemps. Oh, la pluie du printemps, c'est la faveur du roi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce que Job avait dit ce jour-là, dans le livre des Psaumes 10, verset 9, Jésus, il a dit ceci. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile pour faire un vase d'honneur. Voudras-tu encore me réduire en poussière? C'est notre Dieu. Quand je regarde cette écriture, que toi tu m'as façonné comme de l'argile et que tu veux de nouveau me réduire en poussière, aussi tu me réduis en poussière, je deviendrai comme la nourriture du serpent. Car l'écriture nous dit dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 14, que les serpents devaient manger la poussière. Oh, cette poussière-là, ça représente nos corps mortels. Que l'ennemi et les satanés, les occultistes, les sorciers, veulent à tout prix manger. Seigneur, quand tu nous mets, tu fais de nous de l'argile. Parce que dans l'argile, nous savons qu'il y a de l'eau. Dans l'argile, il y a aussi de l'huile. C'est pour un Père Tout-Puissant. Fais de moi de l'argile, une terre qui se transforme. Fais de moi comme une terre qui se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte, que je sois paré d'un vêtement, tel que ce qui est écrit dans le livre de Job, Père Tout-Puissant. Dans l'Écriture, nous dit, quand il nous transforme comme de l'argile, et nous recevons une empreinte, et nous sommes parés d'un vêtement, ça c'est la nature de Dieu à nous, Père Tout-Puissant. Car, Père Tout-Puissant, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Seigneur, ne nous laisse pas devenir la poussière. Si nous devenons la poussière, nous devenons la nourriture de Satan. Nous devenons la nourriture des sorciers, des occultes, des satanistes. Mais fais de nous que nous sommes de l'argile, Père Tout-Puissant, que toi, tu mets tes empreintes, que toi, tu pars de ton vêtement. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, dans ce combat contre l'ennemi. L'ennemi qui veut à tout prix nous détruire. L'ennemi qui veut à tout nous anéantir. On a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens par ta puissance, par ta grâce, Père Tout-Puissant. Manifeste ta puissance dans nos vies. Agis par égard à ton nom, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Que nous ne devenons pas des poussières, parce que si nous sommes des poussières, l'ennemi aura à nous manger, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Tout-Puissant, malgré que nous tirons nos origines de la poussière, mais quand nous venons devant de toi, tu nous façonnes, tu nous transformes comme de l'argile. Ce n'est notre Dieu. C'est pourquoi le livre de Job, chapitre 38, verset 14, l'Écriture nous dit, pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Oh, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous devenons une terre qui devient comme de l'argile, et quand nous recevons l'empreinte qui est le sceau du Saint-Esprit, et toi, tu nous fais vêtir du vêtement du salut, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à prier. Dis quelque chose à ton Dieu. Je viens de parler sur... Dans le livre de Genèse 3, verset 14, où le Seigneur a dit au serpent que tu mangeras la poussière. Quand tu regardes ici terre, il n'y a pas un serpent qui mange la poussière de la terre. Oh, ce serpent-là, c'était le diable. Oh, l'homme a été fait de la poussière de la terre. Maintenant, quand nous restons la poussière, nous serons la nourriture de Satan, des occultistes de Satan, des sorciers. Ils vont nous manger facilement. Ils vont nous sacrifier. Mais quand Dieu fait un travail dans nos vies pour nous transformer en argile, d'après ce qui est écrit dans le livre de Job, en nous transformant en argile, là, il met son sceau dans nos vies. Et là, il nous fait vêtir d'un vêtement. C'est pourquoi il va faire cette prière que
Tu deviens l'argile qui a de l'eau. Tu deviens l'argile qui a de l'huile. Tu deviens l'argile qui a la parole de la vérité. Il va te sceller du Saint-Esprit. Il va te revêtir de l'habillement de la sainteté. Il va te revêtir de l'habillement de fin. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant de toi. Je compte sur toi comme la pluie du printemps qui est la faveur du roi selon le livre de Proverbes 16, verset 15. C'est notre Dieu. Quand je reçois cette faveur qui est la grâce de Dieu, Seigneur notre Dieu, il va faire un travail pour me transformer. Seigneur notre Dieu, quand je regarde, Père Tout-Puissant, l'œuvre que tu fais dans nos vies, selon le livre de Job, chapitre 10, verset 9, qui dit ceci, « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile pour en faire un vase d'honneur. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» Seigneur notre Dieu, si tu me réduis en poussière, si tu réduis ma femme en poussière, si tu réduis mes enfants en poussière, si tu réduis tes soeurs en poussière, nous défendons la nourriture du serpent. Quand tu avais dit au serpent que tu mangeras la poussière de la terre, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous restons comme de la poussière, là, les poussières des ténèbres, les ténèbres, ils vont nous sacrifier, Père Tout-Puissant. Mais quand tu nous transformes, tu fais de nous de l'argile qui se transforme, tu fais de nous de l'argile qui reçoit une empreinte et nous sommes parés d'un vêtement. Père Tout-Puissant, notre Dieu, tu vas nous sceller de ton Esprit Saint. Fais-nous revêtir de l'habillement de fin lin, qui sont les bonnes œuvres, et de l'habillement de la justice. Parce que l'Écriture nous dit, toute notre justice est un vêtement souillé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi nous voulons voir ta personne agir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va continuer à prier. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, je vais lire ce verset, ce qui va me donner, parce que comme toi tu es né pour, avec un but, le Seigneur ton Dieu qui t'envoie sur la terre des vivants, il doit t'accomplir, il doit faire un travail dans ta vie, dans ta vie. Je lis le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour pouvoir m'accorder la délivrance, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Là, je saute un jour de vengeance de notre Dieu. Mais je pars pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des termes de la justice, une passion de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ici, il va faire cette prière que le Seigneur avait prononcée dans Luc chapitre 4, verset 18. Il avait dit ceci, ça va. Il avait accompli l'écriture de Ésaïe 61, verset 3, dans la première partie. Parce que la seconde partie, c'est le jour de la vengeance. Il n'a pas prononcé ça. Mais dans la première partie, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer au cœur de la délivrance, aux aveugles les courants de la vie. Envoyer libre les opprimés, publier une année de grâce pour consoler tous les affligés. Et vous allez voir que au verset 3 d'Ésaïe 61, il va ajouter ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, pour nous accorder un diadème au lieu de la cendre, pour accorder une huile de joie au lieu de deuil, pour nous revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle des terrains de la justice, afin qu'on nous appelle une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, tu vas utiliser ces versets, et si tu ne connais pas comment prier, tu vas me suivre. Seigneur notre Dieu,
Toi qui avais accompli ce que Esaïe avait dit, ce que Esaïe avait prophétisé dans Esaïe chapitre 61, le verset 1, en accomplissant cette écriture, tu avais sauté un jour de vengeance, parce que le jour de vengeance, c'est quand il viendra perpétuellement après l'enlèvement de l'Église. Et quand nous regardons ce que tu as dit, tu as ouvert ce jour-là le livre d'Esaïe, mais tu avais prononcé ça dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur était sur toi. Il t'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour qu'on quartier la délivrance, aux aveugles de la commune de la vie, renvoyer livre les opprimés, lui une année de grâce pour consoler tous les affligés. Seigneur notre Dieu, nous sommes pendant une année de grâce. Nous constatons, Père Tout-Puissant, que nos cœurs sont brisés. Seigneur notre Dieu, viens guérir nos cœurs brisés au nom de Jésus-Christ. Viens guérir nos cœurs brisés à travers différents des problèmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens proclamer la délivrance dans la captivité où nous vivons encore. Il y a la captivité des liens spirituels. Il y a la captivité des emprisonnements des ténèbres. Il y a la captivité où il y a des forces du mal qui sont en train de nous maîtriser, qui sont en train de s'attacher à nos corps, à nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train d'attacher à nos esprits. Seigneur notre Dieu, qui a proclamé la délivrance. Nous voulons vivre la délivrance que tu nous as accordée sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Il va nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions voir, Père Tout-Puissant. Il va nous rendre libres face aux oppressions démoniaques, face au harcèlement démoniaque, face aux envoûtements démoniaques, face aux invitations des mondes de ténèbres. Viens nous rendre libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, durant cette année de grâce, nous voulons être consolés par toi face aux afflictions de toutes sortes. Seigneur, viens par ta grâce pour accomplir tout ça dans nos vies, Père Tout-Puissant. Malgré que tu as accompli tout ça dans la croix, malgré que tu avais prononcé ça, Père Tout-Puissant, mais nous regardons encore des afflictions qui nous arrivent aujourd'hui. Et les qui t'ont dit, il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-nous un diadème au lieu de la cendre au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous une huile de joie au lieu de deuil au nom de Jésus-Christ. Réveille-nous des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens Père Tout-Puissant, accorde un diadème dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie de tes saints. Accorde-nous des diadèmes au lieu de la cendre au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous l'huile de joie au lieu de deuil au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui attendaient les maris devraient avoir de l'huile. Selon la parabole de Matthieu, chapitre 25, ce n'est s'il n'y a pas de l'huile au-dedans de nous, Père Tout-Puissant, nous allons rater l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous une huile de joie, Père Tout-Puissant, au lieu du vêtement de deuil, au nom de Jésus-Christ. Réveille-nous du vêtement de la louange. Qui peut te louer, Seigneur Jésus-Christ, si c'est celui qui a vu ta main puissante agir? Qui peut te louer, Seigneur Jésus-Christ, si c'est celui qui voit comment Dieu se manifeste? Parce que nous regardons, même les enfants d'Israël, Père Tout-Puissant, le jour où tu les as délivrés dans les combats, là où Pharaon les poursuivait, là où Pharaon était déterminé à les anéantir, quand ils ont vu la main de Dieu, c'est là où ils ont loué. Ce jour-là, l'Écriture nous dit, Pharaon qui poursuivait les enfants d'Israël, et le Seigneur avait fait éclater sa gloire. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce jour-là, quand tu as anéanti la puissance de Pharaon, quand tu as neutralisé la force de Pharaon, quand tu les avais engloutis dans la mer Rouge,
C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand tu avais manifesté la délivrance dans la vie des enfants d'Israël, l'Écriture nous dit, ce jour-là, Marie avait entonné un cantique. Il a dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Moïse a dit aux enfants d'Israël de chanter ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. L'Éternel est ma force et le ciel de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le dis de mon Père. Je l'exaltérai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est ton nom et son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ça, c'est la chanson que les enfants d'Israël ont chanté ce jour-là parce qu'ils ont vu ta main puissante agir. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé les adversaires. Tu as déchaîné ta colère sur eux. C'est notre Dieu. Tout ça, ils ont vu ta main puissante. Ils ont vu comment tu les as délivrés face à ceux qui les poursuivaient. C'est pourquoi ils ont chanté. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous aussi, nous allons chanter, Père Tout-Puissant. La louange de notre Dieu Tout-Puissant. Nous aurons les vêtements de la louange au lieu d'un esprit abattu. Parce que nous regardons la louange, c'était le quatrième fils de Judas, de Jacob, qui était Judas. Son nom était la louange. Oh, la véritable louange, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, pour chanter, Père Tout-Puissant, on doit voir ta main puissante agir. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël, chantez l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Il a précédé dans la mer les chevaux et son cavalier. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, la louange que tu nous fais vêtir comme un vêtement, c'est là que nous serons appelés une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire au nom de Jésus-Christ. C'est là où nous serons appelés des terrains de la justice au nom de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 61, verset 3, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ce que toi tu es tenté de faire, tout ce que tu as dit dans la Bible, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta main puissante agir. Bah, nous savons, Père Tout-Puissant, que l'ennemi a beaucoup détruit des choses dans nos vies, Père Tout-Puissant. L'ennemi ne veut pas que nous atteignions notre destinée. L'ennemi ne veut pas que nous puissions accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Il est tenté de courter nos vies par la mort. Il veut à tout prix nous anéantir. Il veut nous rendre inaptes. Il veut nous rendre incapables d'agir, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, Dieu puissant, viens par ta puissance, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Face à tout ce que l'ennemi est en train de faire, là où nos vies sont devenues des ruines, tu vas relever tout ça au nom de Jésus-Christ. Là où on était ravagé, tu vas venir renouveler toutes choses au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi était en train de voler toute notre bénédiction, tu vas nous donner cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi venait avec l'opprobre, là où l'ennemi est venu avec l'ignominie, tu mettras la joie spirituelle au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Seigneur, viens par ta puissance, par ta grâce. Tu vas te manifester dans nos vies. Les buts pour lesquels tu nous as envoyés sur terre, t'es vivant. Parce que tu as créé le tout avec un but. Tu connais pour les buts pour lesquels tu m'as envoyé sur la terre. Que je ne puisse pas rater mon but au nom de Jésus-Christ.
Et je puisse accomplir mon but au nom de Jésus-Christ. Parce que Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu dis dans la Bible, quand nous regardons Père Tout-Puissant, que nous étions nés avec un but, Père Tout-Puissant, que le but pour lequel tu nous as envoyé sur la terre des vivants, que nous puissions accomplir ce but au nom de Jésus-Christ. Je sais que Père Tout-Puissant, nous nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la pluie du printemps. C'est une pluie qui vient avec la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est la parole de Dieu. C'est notre Dieu. Nous cherchons à te connaître parce que ta venue certaine comme l'aurore. Il vient dans nos vies comme la pluie du printemps qui arrose, Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Écriture nous dit, nous demandons à l'Éternel la pluie du printemps qui produit des éclairs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas lire le livre de Zacharie, chapitre 10. Parce que la pluie du printemps, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. On avait vu ça le dimanche passé. Maintenant, quand nous nous prions selon Zacharie 10, le verset premier, demandons à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ça, c'est une prophétie. Nous, nous sommes déjà durant la pluie du printemps. Parce que nous sommes pendant la grâce. D'après ce qui est écrit dans le livre de Proverbes 16, que la pluie du printemps, c'est la faveur du roi. Oh, la faveur du roi, c'est la grâce de Dieu. Quand nous demandons à notre Dieu cette pluie du printemps, mais cette pluie vient aussi avec des éclairs. Oh, les éclairs sont là pour disperser nos ennemis. Selon Psaume 144, verset 6. Disperse mes ennemis avec tes éclairs. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par un seul chemin. Par ce chemin. Parce que la pluie du printemps vient avec la grâce. La pluie du printemps qui est la grâce. Et ça produit aussi des éclairs. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui sont des reins, dès qu'on a fait de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous comptons sur toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Job, le chapitre 29, et le verset 23, l'Écriture 2, « Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Oh, je sais que nous nous comptons sur le Seigneur notre Dieu. La pluie du printemps, c'est la faveur de notre Dieu. C'est la grâce de notre Dieu. » Et quand nous recevons cette pluie du printemps, c'est là où la grâce se manifeste dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, selon Proverbe 16, verset 15, la sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Oh, la pluie du printemps, c'est ça, la grâce de Dieu, la parole de la grâce de Dieu. C'est notre Dieu. Nous cherchons à te connaître parce que ta venue est certaine, notre Dieu. Nous cherchons à être en contact avec toi parce que l'enlèvement d'un sera d'un moment à l'autre. Nous demandons à l'Éternel, notre Dieu, qui va produire, Père Tout-Puissant, la pluie du printemps, qui est la parole de la grâce, qui est la parole de la délivrance. Mais c'est notre Dieu. Cette pluie du printemps, selon Zacharie 10, verset 1, ça produit aussi les éclairs. Oh, les éclairs sont là pour disperser nos ennemis. Parce que quand nous regardons dans la Bible,
De temps en temps, quand les enfants d'Israël étaient combattus et que l'ennemi venait, il cherchait à détruire, il cherchait à menacer, l'Éternel se présentait avec des éclairs pour disperser nos ennemis. Quand nous regardons, l'Écriture dit que ton tonnerre éclate dans les tourbillons, les éclairs illuminent le monde et la terre est en train de trembler. Quand nous regardons Père tout ça, toi qui manifestes ta puissance, nous savons que les ennemis qui nous combattent, ils viennent par un seul chemin. Quand tu vas faire briller les éclairs, ils seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Tu vas les mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en nous regardant, le livre de Psaume 144, le verset 6 qui dit ceci: fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches, mets-les en déroute au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit: tes ennemis sortiront par un seul chemin, ils prendront la fuite par sept chemins. C'est notre Dieu, par ta puissance, c'est notre Dieu. Nous venons devant de toi, notre Jésus-Christ. Quand nous regardons le livre d'Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 8, lorsqu'une trêve est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle est partie vers la bénédiction. Seigneur notre Dieu, nous voulons être une terre qui reçoit la pluie des chardons. Nous voulons pas être maudites. Nous voulons pas aller dans les feux éternels. Seigneur, nous voulons produire, Père Tout-Puissant, à travers Seigneur Jésus-Christ, ce qui était écrit dans la Bible. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans nos vies, car on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta grâce, par ta puissance, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 55, les versets 10 à 13, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait gonder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence et du pain. Ainsi en est-il de la parole de notre Dieu qui sort de sa bouche. Elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli le dessein de Dieu. C'est notre Dieu, viens par ta puissance, car on a besoin de toi. Exécute ta parole au nom de Jésus-Christ. Car nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans le livre de Job 37, versets 10 à 13. On nous parle des rôles de la pluie. Parce que la pluie aussi est une verge pour frapper la terre. La pluie aussi est un signe de l'amour de Dieu. Nous ne voulons pas que la pluie soit une verge pour nous. Nous voulons vivre le signe de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que quand la pluie devient une verge pour frapper la terre, là, ça devient un jugement. On ne voulons pas participer en ce temps-là, Père Tout-Puissant, où tu frapperas la terre. Nous voulons voir le signe de ton amour qui est une pluie du printemps au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de Dieu. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le dimanche, quand j'avais prêché, j'avais parlé sur les Anakim. Selon Nombre 13, verset 31 à 33, les fils d'Anak, et le Nombre 14, verset 1, j'avais expliqué ceci. Pour conquérir le pays de Canaan, Dieu avait dit
lui-même dans Deutéronome 9, verset 2, vous connaissez les fils d'Anak, les géants. Tu connais les Anakim, un peuple haut d'état qui pourra tenir contre ces peuples-là d'Anak. Mais moi-même, Dieu, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. C'est moi qui les détruira, les humiliera devant toi, toi tu les chasseras. J'avais dit, comment est-ce que Dieu peut détruire comme un feu dévorant? Parce que s'il détruit comme un feu dévorant, c'est que ces gens ne peuvent plus exister. Mais comment il ajoute encore, toi tu les chasseras? C'est là que j'avais expliqué que, quand vous regardez les enfants d'Israël, Josué devait exterminer, tandis que Caleb devait chasser. Ça veut dire, il y a Josué qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a anéanti la puissance des esprits géants. Mais nous, à notre tour, nous devons chasser. J'avais expliqué dans le livre de Josué, chapitre 11, verset 12. J'avais expliqué même dans le livre de Josué, chapitre 15, verset 14. On nous a parlé des trois fils d'Anak, qu'on appelait Sheshai, Amihan et Talman. Ce sont les fils d'Anak qui ont fait pleurer les enfants d'Israël. Ils ont dit, au jet de ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. J'avais expliqué que les trois fils d'Anak qui faisaient peur aux enfants d'Israël, j'expliquais que Jésus-Christ comme le véritable Josué. Les trois fils d'Anak, c'était la mort, c'était le péché, c'était le monde où il y a les puissants des ténèbres. C'est ce qui faisait peur, qui fait peur aux hommes. Mais dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56, là on dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Christ a vaincu le péché, il a vaincu aussi la mort. Ça veut dire, celui qui avait affronté la mort, il avait affronté comme étant la mort comme étant un homme. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, quand il a commencé à avoir des angoisses, donc, c'est le prince des angoisses, c'est le pressentiment des malheurs. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, il a affronté la mort comme un homme. Parce que la mort avait vaincu un homme qu'on appelle Adam. Il a vaincu toute l'humanité. C'est Christ qui devait venir maintenant comme étant un homme pour vaincre la mort. C'est pourquoi vous regardez dans la Bible les tourments qu'on lui a causés, la barbe qu'on lui a arrachée, les blessures, les chicottes qui étaient sur son dos. Tout ça, il a affronté ça. Il est sorti vainqueur. C'est pourquoi lui qui a affronté la mort, il a vaincu la mort. Mais nous, il nous demande de chasser l'esprit des morts. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, que nous puissions mourir, alors nous devons chasser la mort. Les péchés aussi, nous devons anéantir parce que le péché régnait. C'est celui qui est venu détruire la puissance du péché. Nous devons chercher tout péché qui nous envient facilement. Les lieux arides. Quand nous voyons le monde, c'est les structures démoniaques. Le monde où, avec sa convoitise, où les chrétiens disent n'aimez pas le monde. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Tout ça, nous devons chasser ça. Donc les trois fils d'Anak, c'était la mort, le péché et le monde. Maintenant, lui a détruit. Nous, maintenant, nous devons chasser. Alors tu vas faire la plus haute autorité pour chasser l'ombre de la mort, pour chasser l'esprit de la mort. Tu vas dire à ton Dieu, même en Égypte, quand l'ombre de mort passait, chaque maison avait un signe du sang, l'ombre de mort ne pouvait pas pénétrer. Et toi, aiguillon de la mort, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toi, péché qui me domine, je te chasse. Va-t'en dans les lieux arides, non, sors de ma vie. Et toi, puissant des mondes de ténèbres, j'anéantis ta force. Parce que l'habitude de l'écriture dit, la victoire de ce monde, c'est la foi.
Et nous avons la foi pour vaincre ce monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les enfants d'Israël, devant la fille d'Anak, quand nous regardons l'écriture de Nombre 14, verset 1, ils ont commencé à pleurer en poussant les cris. Ils se voyaient impuissants. Ils se voyaient incapables. C'est là où ils ont dit que le pays, nous allons entrer. Les peuples se trouvaient là-bas. Ils sont plus forts que nous. Ils ont dit que le pays dévore ces gens. Ce sont des géants à leurs yeux. Nous étions comme des sauterelles. C'était les rapports de 10 qui étaient comme des espions. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, ces fils d'Anak qui étaient des géants qui faisaient pleurer les enfants d'Israël. C'est ce que nous voyons aujourd'hui aussi. Il y a des esprits géants qui sont déterminés à nous anéantir, qui sont déterminés à nous détruire, qui tentent de prendre le dessus sur nous, qui tentent de s'infiltrer dedans de nos corps, venant avec des dépérissements. C'est notre Dieu, celui qui a vaincu la mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait anéanti celui qui avait la puissance de la mort, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en nous regardant dans la Bible, l'Écriture nous dit, Christ a affronté la mort, Jésus-Christ a affronté la mort. Il a anéanti la puissance de la mort. C'est l'œuvre de la croix. La mort a été engloutie par la puissance de la résurrection. C'est pour aujourd'hui, Père Tout-Puissant. Toi, esprit de mort, toi, ombre de la mort, la puissance de la mort qui vient nous prendre avant le temps de Dieu. Nous avons la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ. Toi qui nous fais peur, nous n'avons plus peur de la mort. Parce que le livre d'Hébreux chapitre 5 qui parle qu'il est venu nous libérer, il est venu libérer ceux qui avaient peur de la mort. C'est Jésus qui est venu nous libérer parce qu'il a vaincu la mort. C'est notre Dieu. Quand nous regardons la Bible, c'est que toi tu déclares, Père Tout-Puissant, toi qui avais la puissance, la force, toi qui avais anéanti ces jours-là, tu t'es présenté avec des cris de larmes. Ces jours-là, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, toi qui as vaincu la mort, nous aussi nous devons vaincre la mort à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons plus peur de la mort parce que nous savons même si nous mourons aujourd'hui, nous irons dans le sein d'Abraham au nom de Jésus-Christ. C'est pour un Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui était écrit dans la Bible, comment toi tu as affronté la mort et comment toi tu as vaincu la mort et tout ça aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la mort. Nous savons que Christ, notre Seigneur, nous a donné la victoire. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Au nom de Jésus-Christ, par son sang précieux, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous vaincrons les puissances des ténèbres. Nous vaincrons l'ombre de la mort par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu, vient par ta puissance. L'Écriture nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également passé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, toi qui es venu nous délivrer de la mort, que toute mort subite venant du diable, vient des agents des ténèbres, venant des puissances occultes, tu n'auras pas le dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te chassons, au nom de Jésus-Christ. Si nous devons mourir, que ce soit la volonté de Dieu et non la volonté du diable, et non la volonté des sorciers, des occultistes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Délivre-nous, Père Tout-Puissant. Toi qui avais vaincu la mort, nous as délivré aussi de la crainte de la mort. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, nous sommes plus sous la servitude de notre Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui viens, Père Tout, nous secourir. Toi qui as souffert, qui as affronté tout ça. Et nous te dis, au nom de Jésus, nous devons chasser l'esprit des morts. Et toi, puissant des péchés, quel que soit n'importe quel péché, les péchés qui règnent dans nos vies, les péchés qui règnent dans nos corps, les péchés que l'ennemi utilise pour nous atteindre facilement, quels soient les péchés de la convoitise, quels sont les péchés, quels n'importe quel péché, qu'on n'a pas cité les noms, Christ a neutralisé, parce que l'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et nous neutraliser tout péché venant de puissance des ténèbres, venant des occultistes, des satanistes, pour nous attaquer en introduisant ces péchés-là. Il se sert de ces péchés pour nous maîtriser, pour nous attaquer. Nous chassons au nom de Jésus-Christ la puissance du péché au nom de Jésus-Christ. Tout péché arrêté sur nos corps, tout péché arrêté dans la vie de nos femmes, de nos maris. Nous te chassons dans les lieux arides. Sors de nos corps. Tu n'as plus l'emprise sur nous, toi péché. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais sa grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Il a vaincu aussi le péché, parce qu'il n'avait pas commis le péché. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que le monde, l'Écriture nous dit, la victoire qui vient de ce monde, c'est notre foi. Nous avons la foi pour vaincre le monde, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la puissance des esprits opérants dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la convoitise de la chair dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'orgueil de la vie dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la convoitise des yeux dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons, parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 19, à mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, toi, tu as vaincu les esprits géants, tu as vaincu les dominations. Tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu les esprits méchants de la lumière céleste. Tu as vaincu l'esprit de la sorcellerie. Mais nous, à notre tour, nous chassons ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit, Joseph devait exterminer, Caleb devait chasser. Selon Joseph, chapitre 1, verset 21, Joseph 14, verset 12. C'est pour notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous chassons l'ombre de la mort. Nous avons la victoire sur ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les péchés dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire par la foi sur la puissance des ténèbres dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans tes prières, tu as besoin toujours de ce Dieu-là qui puisse se manifester dans ta vie. Parce que pour que tu puisses accomplir le destin de Dieu dans ta vie, l'ennemi a programmé la mort subite. L'ennemi a fait qu'il puisse monter sur toi, il puisse s'attacher à toi dans n'importe quelle partie de ton corps, que ce soit sur ton dos, que ce soit dans ton cœur, dans ton âme, dans des endroits. Il s'est attaché là-bas. Il va dire à ton Dieu, il va faire de toi une pierre glissante. En fait, tout esprit qui s'attache à toi puisse glisser. Parce que là où il y a un terrain de glissement, cet esprit ne pourra pas rester là-bas. Que n'importe quel pied de ton corps où l'ennemi a placé un siège, que lui dit Saint-Esprit, sois là, afin que ce puissant puisse trébucher, fracasser, neutraliser, réduire à l'impuissance.
C'est pourquoi l'Écriture dit que la route de tes ennemis soit ténébreuse et glissante. Cette structure démoniaque. Là, nous attaquons les puissants des ténèbres. Dis à ton Dieu, l'Écriture dit, tu as dit dans Ésaïe 28, verset 16, tu as placé une pierre en Sion. Cette pierre que toi tu as placée, c'est la pierre d'appui. C'est la pierre que les prophètes ont prophétisé. J'ai mis au fondement Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Alors dis à ton Dieu, mets-moi sur cette pierre. Fais-moi pénétrer dans cette pierre que je puisse prendre pour appui la pierre angulaire que Jésus-Christ, la pierre d'appui. Et je vais m'attacher là-dessus, je vais rester là-dessus. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, notre Dieu, nos corps, nos âmes, nos esprits sont devenus comme des cavernes de ténèbres. Sont devenus comme des lieux de refuge des puissances de ténèbres. Où l'ennemi a fait pénétrer des grenouilles. Où l'ennemi a fait pénétrer des serpents. Où l'ennemi a fait pénétrer diverses sortes d'esprits impurs liés à la sorcellerie. Seigneur, si tu mets à nous ton huile, l'huile d'onction, nous deviendrons glissantes. Et tout celui qui s'attache à nos dos, il va glisser et tomber au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'attache à nos ventres, il pourra plus rester permanent. Parce que Dieu fait de nous une pierre glissante au nom de Jésus-Christ. Dieu fait de nous une pierre pesante. Quiconque cherchera à nous soulever, à nous amener dans le monde des ténèbres, en nous amène dans les camps de la sorcellerie, il sera écrasé au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, tu as mis une pierre en Sion, une pierre éprouvée, une pierre solidement posée. Quiconque prend cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. C'est notre Dieu. Je me mets sur cette pierre au nom de Jésus-Christ. Je mets ma femme, mes enfants, tous les saints sur cette pierre qui est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, une pierre qui est solidement posée. Parce que l'Église est bâtie sur une pierre, sur les rocs. Et nous prenons pour appui notre Seigneur. Fais-nous pénétrer, Seigneur Jésus-Christ, dans les creux du rocher. Et tu vas nous couvrir de ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Face au rougissement des ténèbres. Seigneur, mets ta main puissante. Fais pénétrer ta main au-dedans de nous. Là où le serpent s'est infiltré, il va saisir ce serpent pour le faire sortir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. N'importe quelle partie, l'ennemi s'est attaché à nos corps. Il opère dans des périssements. Seigneur, enlève ces esprits qui s'attachent à nous au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des pierres glissantes. En fait, tout esprit s'attachant à nos dos, à nos ventres, à n'importe quelle partie, qui puisse glisser, tomber, être fracassé, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Parce qu'on a besoin de toi. Nous savons que toi, si tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. C'est notre Dieu. Nous demandons, Père Tout-Puissant, quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture dit dans Zacharie chapitre 12, le verset 13, « En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris. » C'est notre Dieu. Fais de moi une pierre pesante. Tous ceux qui cherchent à me soulever, ils seront meurtris au nom de Jésus-Christ.
Fais de ma femme, de mes enfants une pierre pesante. Fais à tes saints une pierre pesante. Tous ceux qui cherchent à nous soulever, à nous amener dans les réunions de la sorcellerie, tous ceux qui veulent nous utiliser comme des chevaux dans le monde des ténèbres, ils seront meurtris au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va frapper d'aveuglement les structures démoniaques qui nous dérangent, qui nous vit de temps à autre. C'est notre Dieu. On a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Que la route des puissants des ténèbres qu'ils empruntent pour nous attaquer, que leur route soit ténébreuse et glissante, que les anges de Dieu les poursuivent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Ce n'est pas un caverne de démons. Ce n'est pas un lieu de refuge des puissants des ténèbres. Quand tu es tenté dans les temples, avec une chicotte à main, il va entrer dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant, il va faire un travail, Seigneur Jésus-Christ. Ce travail-là, c'est de frapper les puissants des ténèbres, les esprits qui vendent, qui achètent, ces structures démoniaques qui se transforment en animaux, en hiboux, en serpents, en scorpions, qui ont pris possession de nos corps. Qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient menacés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils quittent nos corps. Qu'ils quittent nos têtes. Qu'ils quittent nos ventres. Qu'ils quittent n'importe quel de nos corps. Ils ont pris possession. Parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des cavernes de démons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, place dans nos vies la table des propositions au nom de Jésus-Christ. Place dans nos vies le chandelier de Dieu qui va apporter la lumière au nom de Jésus-Christ. Place dans nos vies, Père Tout-Puissant, l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des pierres glissantes. Fais de nous des pierres pesantes au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des foyers ardents parmi les bois. Fais de nous des forges, des torches enflammées parmi les gerbes pour dévorer à gauche à droite les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde, sauve nos femmes, nos maris, nos enfants, nos maisons. Sauve tous les saints, Père Tout-Puissant. Que nous voyons ta main puissante agir. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ.